Madame, Monsieur, bonjour. Le cancer existe aussi chez l'enfant, mais comment donc le détecter pour une meilleure prise en charge? La réponse dans ce journal avec le professeur Ngiyulu. Et puis plusieurs enfants ont renoué avec le chemin de l'école grâce à la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, mais seulement d'autres défis logistiques restent à relever pour gagner ce pari. C'est un des dossiers du jour. On en parle dans ce journal magazine qui sera focus aujourd'hui sur le secteur de l'éducation. Mais avant tout, commençons d'abord par l'actualité. Madame, Monsieur, bonjour. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour cette édition dominicale sur la RTNC. Bienvenue à toutes et à tous. Accélération des travaux du port en eau profonde de Banana. Le bureau de coordination de suivi et de contrôle de ces projets s'investit pour sa matérialisation. Des contacts sont entrepris par le coordonnateur de cette structure. C'est un commentaire de Dieu merci, Kanzra. Pas de temps à perdre pour le bureau de coordination des suivis, des contrôles, des projets de port en eau profonde des Bananas. L'accélération dans les préparatifs du lancement des travaux de construction de ces ports, dont les travaux se feront à 4 phases, avec une première phase de 600 mètres de queue tirant d'eau de 18 mètres, ainsi que parc en containers et marchandises générales de 30 hectares pour une durée de 18 mois, a été examinée par la délégation du BUCCO conduite par son coordonnateur exécutif Karambou Mandungubula, assisté par ses adjoints. Des travaux qui seront exécutés par la société DP World, cette structure était tour à tour du 20 au 21 septembre dernier au ministère de la Défense nationale, à la Direction générale des douanes et assises, à l'état-major des forces armées, corps du génie militaire, au ministère des infrastructures et travaux publics, mais aussi au ministère du portefeuille. Il est de l'obligation de la RDC ou du gouvernement congolais de remettre en état cette route selon certaines spécificités techniques et caractéristiques pour qu'elle puisse supporter le transport et le flux de Kinshasa à Banana et de Banana à Kinshasa lorsque le port sera érigé. On a échangé essentiellement ensemble de manière à ce qu'on puisse tous les deux travailler en parfaite harmonie, de manière à ce qu'on puisse respecter les délais qui sont imposés aussi bien par la convention elle-même. Ce port d'une longueur de 1600 mètres comportera 5 quais d'un tirant d'eau de 18 mètres de profondeur et permettra à la République démocratique du Congo d'avoir accès à nos mers et d'impacter désormais le commerce international sur les côtes ouest de l'Afrique. Pour rappel, c'est le 31 janvier dernier que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction des ports en eau profonde des Bananas. Quittons l'ouest pour l'est du pays et direction Ouvira dans le sud Kivu. La plaine de Ruzizi, une cité à vocation agro-pastorale, va bientôt bénéficier des routes de desserte agricole réhabilitées. Les travaux d'entretien exécutés par l'OVDA avancent à la satisfaction de tous. Les travaux d'entretien des routes et des voies de desserte agricoles financés par le gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier FONER dans les programmes d'entretien routier PER 2022 exécutés par l'Office des voies de desserte agricoles OVDA évoluent normalement. Les axes concernés dans la plaine de la Ruzizi sont Runingu, Nyamuziba, Katobo, Luvungi, Ruzizi 8 km et Katogota, Lubarika, Luvungi 16 km et autres. Ces routes ont été réhabilitées par les partenaires du gouvernement congolais puis remises au ministère du Développement Rural à travers son service technique, l'OVDA, pour la maintenance. Les attributeurs recrutés par l'OVDA exécutent correctement les travaux d'entretien manuel par les désherbages, les décapages, le traitement des nids de poules, le curage des bus et d'allô, l'ouverture des saignées et des fossés. Le constat est de la mission mixte de contrôle entre l'OVDA, conduite par le directeur provincial ingénieur Augustin, et le bureau technique de contrôle BTC, conduite par les ingénieurs Estache Kiza et Roger Kipanga de l'antenne provinciale du Sud Kivu, qui dit être satisfait de l'évolution des travaux. On a vu les travaux, c'était bien fait. C'est base des... Le directeur provincial de l'OVDA, l'ingénieur Augustin, remercie les FONER pour le financement, mais il souhaite voir la prise en charge des autres axes routiers. Si cette opération peut continuer sans arrêt, sans interruption,
corruption, ça pouvait être... À l'exception du territoire de Chabunda où il n'y avait pas de route réhabilitée par les partenaires, l'OVDA supervise 720 km de routes dans 29 axes de 7 territoires du Sud Kivu. Parlons santé avec cette sensibilisation autour du cancer de l'enfant qui existe. Septembre Noir est une disposition prise au niveau mondial pour parler justement du cancer chez l'enfant. Mais comment donc le détecter pour une meilleure prise en charge? Le professeur Dr René Nguyulu sensibilise à ce sujet. Septembre est un mois qui est désigné dans le monde entier pour la sensibilisation sur le cancer de l'enfant. Que le monde entier... que nos compatriotes puissent savoir que le cancer existe également chez les enfants. Le cancer n'est pas l'apanage seulement des adultes, mais seulement le cancer des enfants est différent du cancer des adultes. Ces cancers, ce sont des cancers embryonnaires. Embryonnaire, ça veut dire que ça se fabrique à partir de l'embryon. Donc, un, le cancer des enfants n'est pas prévisible, n'est pas prévenable, nous ne pouvons pas les prévenir. Ce sont des choses qui apparaissent brutalement comme ça, mais heureusement que prise en charge à temps, nous pouvons les guérir. Et puisque vous savez que l'enfant est un être en développement, donc ces cancers sont des cancers extrêmement agressifs. D'où la nécessité justement de sensibiliser la population sur les signes précoces des cancers des enfants. Lorsque vous avez un signe tel que la tache, une tache blanchâtre au niveau de l'œil, il faut voir le médecin. Lorsque vous avez un abdomen qui est ballonné et qui a une boule dedans, il faut voir le médecin. Lorsque vous avez des ganglions un peu partout, que ce soit au niveau du cou, que ce soit au niveau des aisselles, que ce soit au niveau des plis inguinaux, vous devez vous en inquiéter parce que ça peut être un cancer qu'on appelle un lympho. Et un de lymphomes que nous retrouvons surtout chez nous, c'est le lymphome de Burkitt. Et donc nous avons des gens qui sont spécialisés en cancer des enfants, nous avons des oncopédiatres. Nous les avons envoyés au Maroc, ils sont là, ils sont présents en clinique universitaire. Et nous prenons ces enfants-là en charge. Ce qui nous dérange, c'est naturellement les moyens. Mais nous avons des partenaires, notamment le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, en abrégé GFAOP, et l'Alliance mondiale contre le cancer, l'AMCC, qui de temps en temps nous aide en nous procurant des produits. Parce que les médicaments pour traiter ces cancers coûtent extrêmement cher. Et les malentendants, eux, hein, étaient hier à l'honneur. À Kinshasa, la structure Soleil Levant a célébré cette journée des sourds avec plus de 150 sourds muets récompensés après une formation de 6 mois. C'est un reportage d'Emmanuela Commissaire. Bâtir de communautés inclusives pour tous, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la journée mondiale des sourds célébrée à travers le monde. C'est une journée spéciale pour ce sourd muet encadré par la structure Soleil Levant, une célébration marquée par la remise de brevets aux 150 sourds muets qui ont suivi une formation de 6 mois en coupe-couture, esthétique et coiffure, mais aussi la fabrication des peintures et détergents liquides. Un encadrement pour leur autonomisation car ils sont souvent marginalisés. Nous n'allons pas nous arrêter là, nous les accompagnons. Si demain, avec les sourds, nous sommes satisfaits, nous allons nous étendre à d'autres handicaps. Quels qu'ils soient à la maison, qu'ils viennent, le centre est là pour être autonome et être utile dans la société. Nous avons lancé un message au gouvernement pour nous soutenir. Nous nous battons tant bien que mal. C'est vrai, ils manifestent la bonne volonté et je sais qu'avec tout ce qu'ils ont vu, c'est déjà un plaidoyer. Ils vont aller parler en notre faveur. Soleil Levant est une structure de promotion du développement communautaire qui lutte contre la pauvreté. Elle organise l'encadrement de personnes vulnérables. Elle travaille également en étroite collaboration avec les ministères de genre, famille et enfants, des personnes vivant avec handicap et celui de la formation professionnelle. Le nouveau directeur provincial du DGRAD, Kassai, est arrivé dernièrement à Tchikapa. Il sensibilise sur la maximisation des recettes dans cette partie du pays.
Mardi 20 septembre 2022, que le nouveau directeur provincial de la Direction générale de recettes administratives, domaniales et des participations de Gérard, ex-Kassai occidental, actuellement Kassai central et Kassai, est arrivé à Tchikapa à bord de l'avion de la compagnie Air Kassai. Gaston Simonet Messamouka a été accueilli à sa descente de l'avion par Joseph Molard Moulumba Mukenge, chef des ressorts urbains de Gérard Kassai. Devant la presse locale, Gaston Simonet Messa déballe sa feuille de route qui l'amène à Tchikapa. Dès mon arrivée, je devais immédiatement faire l'état des lieux, c'est-à-dire rencontrer d'abord les agents et les entretenir de ce qui concerne notre mission ici au Kassai. Ce que je leur ai dit, c'est exactement la culture de la DGRAD, l'esprit de DGRAD qui doit animer tous les agents de la DGRAD. Deuxièmement, je leur ai parlé de la maximisation des recettes. Tchikapa est aussi quand même une grande assiette. Je me suis dit, comme ce sont des entités qui sont en train d'être découpées, il faudra aussi qu'à la longue, cette province devienne aussi une direction provinciale. Pour sa part, Joseph Molard Moulumba Mukenge, chef des ressorts urbains de Gérard Kassai, a dans son adresse des circonstances peint le tableau de son ressort qui éprouve d'énormes difficultés pour bien maximiser les recettes de l'État. L'actualité en semaine était beaucoup plus dominée par la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. À New York, le chef de l'État a porté haut la voix de la RDC à la tribune de cette Assemblée. Félix-Antoine Tshisekedi était aussi à la 7e conférence de reconstitution des ressources financières en faveur du Fonds mondial, la semaine du président avec Pierre Kibambe, Somouïs. C'était en début de semaine, le lundi 19 septembre 2022, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo, est arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le chef de l'État répondait au rendez-vous de la 77e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Du haut de la tribune de cette session ordinaire, le président de la République a porté haut et fort la voix de la RDC victime de l'agression du Rwanda sous couvert du groupe terroriste le M23. Le chef de l'État a livré tous les éléments censés permettre à l'Organisation des Nations Unies un meilleur décryptage de la situation réelle sur le terrain. Une situation qui procède des effets pervers du terrorisme international dont l'Afrique et la RDC payent un lourd tribut. Toujours à New York, en marge de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, il s'est tenu la 7e conférence de reconstitution des fonds en faveur du Fonds mondial. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été l'un des invités de marque aux côtés de ses homologues des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, de la France, Emmanuel Macron, de Justin Trudeau, Premier ministre canadien, de Bill Gates, d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et du chancelier allemand Olaf Scholz. Objectif de cette rencontre de haut niveau, la mobilisation par des bailleurs de fonds, des ressources financières supplémentaires pour permettre au Fonds mondial d'intensifier la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, trois maladies infectieuses qui sévissent à travers le monde, particulièrement en Afrique. Et puis, dans une interview exclusive accordée à New York, à RFI et à France 24, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé sur toutes les questions d'actualité nationale. Tout a été passé au peigne fin. En 25 minutes, le chef de l'État a donné un éclairage à toutes les questions relatives à l'élection présidentielle de 2023, à l'agression de la RDC par le Rwanda, aux arrestations de François Béya et du général Philémon Yav, au conflit Tekeyaka et au bilan à mi-parcours du quinquennat du président de la République. Au
autre sujet d'actualité ayant marqué la semaine qui s'achève, l'annonce de la reprise de production des passeports biométriques en République démocratique du Congo et puis la mission sécuritaire du Premier ministre dans les deux provinces sous état de siège, mais bien entendu aussi l'arrivée des kits électoraux en début de semaine. Vivement les élections, la semaine a démarré avec l'arrivée à Kinshasa des kits électoraux pour l'identification des électeurs. Deux jours après, le test de grande nature a été organisé à Luozi dans le Congo central et à Kinshasa, à Maluku et Lingwala. Objectif, vérifier leur fonctionnalité et efficacité avant leur déploiement à travers la République. Évaluation sécuritaire dans les provinces sous état de siège. Le Premier ministre était en mission à Bunia, Goma et Beni. Jean-Michel Samalou Kondé est allé encourager les éléments des FRDC et de la police nationale pour leur sacrifice dans la restauration de la paix dans cette partie du pays, mais aussi pour préserver la souveraineté nationale. Pendant ce temps, une table ronde est en projection pour appeler les Yaka et les Teke à fumer le calumet de la paix dans le Kwamout. Jusqu'ici, pas d'avancée dans ce conflit de terre qui continue à faire des morts. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a échangé cette semaine avec le chef coutumier Yaka. Rencontre élargie à d'autres structures. Côté coopération, les délégués des Sénats, du Conseil consultatif Choura et Conseil similaire d'Afrique et du monde arabe étaient du 19 au 20 septembre à Bujumbura au Burundi. La 9e réunion de la Ligue des Sénats recommande aux gouvernements arabes et africains à atténuer le choc causé par la guerre en Ukraine. Bahatilou Kwebo, président du Sénat, a pris part à ces assises. Mise au point du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères sur la rareté des passeports sur le marché, c'était pour des raisons techniques, a précisé Justin Kabongo devant la presse. Le secrétaire général rassure. La production de ce document a repris et que le bureau de la chancellerie à Kinshasa reste ouvert pour tous les Congolais d'ici et d'ailleurs. Sur le plan social, la mise à la retraite effective de plus de 4000 fonctionnaires de l'État. Une première vague qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration publique qui vise notamment son rajeunissement en vue d'organiser le recrutement prochain des jeunes Congolais. La guerre en Ituri a fait beaucoup d'orphelins et certains d'entre eux sont devenus plus tard des enfants dits de la rue, c'est-à-dire en rupture familiale. Pour éviter que ces enfants soient une bombe à retardement pour la société itourienne, une structure leur a donné une nouvelle famille pour leur réinsertion sociale et surtout leur scolarisation. C'est un dossier de Junior Selemani. La violence causée par les groupes armés depuis 2017 en Ituri a des conséquences néfastes sur la vie de la population. De nombreux parents tués ont laissé des orphelins, une situation à la base de la prolifération du phénomène enfants de la rue. Du Chegui, en ville de Bounia, ces enfants sont visibles dans tous les coins de la ville, passent nuit à la belle étoile, une présence qui constitue une source d'insécurité pour des habitants du chef-lieu de l'Ituri. Souciés de l'avenir de ces enfants, l'association des femmes au cœur du développement s'occupe de leur encadrement. Certains d'entre eux ont repris le chemin de l'école et sont en mesure de lire et écrire, reconnaît leur enseignante. Parmi eux, il y a ceux-là qui sont très attentifs à classe. Nous croyons que nous allons arriver à une finalité qui est meilleure pour ces enfants-là. L'un de ces enfants rencontrés au complexe scolaire Gombe explique la leçon apprise. Nous sommes verbe avoir, au mode conditionnel, au mode conditionnel présent, nous sommes j'aurais, tu aurais, il aurait, elle aurait. Nous irions à Fidus à Pan, nous aurons. Vous auriez, ils auraient, elles auraient. Christelle Alema, coordonnatrice d'AFCD, justifie son initiative par le souci de lutter contre ces fléaux et éviter que ces enfants puissent constituer une bombe à retardement. J'ai approché ces enfants, j'ai appris leur histoire qui est tout à fait triste, différente les unes des autres. Et quand je demandais ce qu'ils voulaient réellement, ils disent qu'ils veulent être traités comme tout autre enfant.
ils veulent être hébergés, ils veulent retourner à l'école. Donc nous avons commencé par le processus de trouver une maison où ces enfants pouvaient être hébergés, où ces enfants pouvaient être nourris, habillés, soignés. Et ensuite, après quelques temps, ces enfants devaient être inscrits à l'école. Et pas seulement à l'école, mais devaient être aussi soignés spirituellement. Tosca Kaninda, psychologue de formation, revient sur les étapes de la prise en charge pour détraumatiser ces enfants. Pour arriver à découvrir le goulot d'étranglement, la raison qui l'a poussé à être dans la rue. C'est quand on découvre cette raison-là qu'on peut savoir comment les réorienter. Donc c'est un travail qu'il faut faire au cas par cas, comme on dit. Hein. Il faut aller avec un enfant au cas par cas, l'écouter, et écouter son histoire. On appelle ça l'amnèse, l'histoire de l'enfant. Comment il a vécu, comment il s'est retrouvé ici. À partir de son histoire, à partir de son anamnèse, on peut alors dénicher la cause, l'élément qu'il faut combattre pour le retourner dans la société. Au regard du tableau non reluisant de ce phénomène à Bounia en particulier et à Ituri en général, les fils et filles égarés de la province doivent comprendre qu'il est temps d'arrêter les violences et de penser au développement de l'Ituri. Et avec la gratuité de l'enseignement, beaucoup d'enfants ont renoué avec l'école. Mais seulement quelques aspects doivent être pris en compte. L'afflux des enfants crée également d'autres besoins supplémentaires, notamment le renforcement des capacités d'accueil des écoles. C'est un dossier de Anastasie Dumbo et de Chantal Okoloba. Tous les enfants à l'âge de scolarité ont droit à une formation de base. La gratuité de l'enseignement est une matière prévue dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais s'engage à mettre en œuvre l'effectivité de la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Question de matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'une part, cette matérialisation a été accueillie par les enseignants qui ont salué cette belle initiative. Je salue cette initiative du chef de l'État pour ce qui est de la gratuité de l'enseignement. Les effets, nous les sentons dans plusieurs aspects. Il y a l'aspect financier. Dans le temps, les parents ne parvenaient pas à scolariser leurs enfants. Mais actuellement, comme le secteur public, les frais sont devenus minimisables, vous voyez. Et cela a aidé à tous les parents de scolariser leurs enfants. Nous ne vendons pas des uniformes, ni quoi que ce soit. On ne vend rien ici. D'ailleurs, chez nous, nous avons donner la tenue aux enfants, blouses et chemises gratuitement. C'est la gratuité à ramasser tous les enfants qui trimbalaient dans la rue. Ils sont maintenant dans les écoles en train d'étudier. C'est une bonne chose. Il y a un grand nombre d'élèves et nous les avons reçus vraiment avec les bras ouverts. Et puis nous les avons sensibilisés pour inviter ceux qui sont restés à la maison de venir les rejoindre. Avec ce système de la gratuité, les enfants sont tous à l'école. Quand il y a eu motivation, les parents se disaient, nous avons des charges à payer, tout ça, il y a beaucoup d'enfants. Mais maintenant qu'il y ait la gratuité, les parents nous mettent en retard pour retourner les enfants à l'école. D'autre part, les écoles ont connu la croissance démographique. Cela nécessite l'ajout des salles de classe. Nous avons des grandes classes qu'on puisse nous donner même des bancs. Regardez notre espace ici, c'est vaste, une grande concession. S'il peut songer aussi à venir construire ici. À cela s'ajoute le problème de la disparité de primes des enseignants du primaire selon qu'on est à Gombe ou dans d'autres communes. D'où provient notre découragement? C'est juste le ministre a essayé de séparer les gens de Gombe et les gens de la cité ici. Mais nous donnons les mêmes enseignements, les mêmes programmes. Comment est-ce que pour payer, on doit payer les gens de Gombe? 200 000. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que non, on a encore ajouté un 100 000 pour faire 300 000. Entre-temps, ici chez nous, c'est 30 000, au lieu de 300 ou 200 comme les autres. Alors pourquoi cet écart? Pourquoi cette indifférence? Les paix que l'État a mis à notre disposition, on les touche difficilement et en grand retard par rapport à la banque Tembe. Donc l'Access Bank nous paye toujours après au moins 45 jours. Le gouvernement, à travers le ministère de l'EPST, déterminé à lutter contre les antivaleurs en milieu scolaire. Un constat amer est que dans les écoles publiques, l'insécurité bat son plein, a souligné la directrice de l'EPDIS, Ngiri Ngiri. Ça, c'est un complexe qui regorge trois écoles.
Nous avons une grande difficulté. La difficulté, c'est quoi? Ce sont les Kuluna qui viennent nous envahir. Les parents ont peur d'envoyer leurs enfants au milieu où les Kuluna entrent à tout moment. Si le gouvernement peut voir aussi dans quels moyens on peut nous encadrer ici. Concernant les défis à relever, qu'il faudra que l'État congolais mobilise plus de ressources pour construire et réhabiliter les écoles afin d'éliminer la délinquance juvénile et la déperdition scolaire. Les affaires à l'école ne sont pas autorisées pour ne pas détourner l'enseignement de sa mission, mais aussi le budget alloué au secteur de l'éducation doit être revu à la hausse. C'est le troisième dossier du jour, un dossier de José Doumbi. L'école est une activité sans but lucratif. Pourtant, en RDC, certains promoteurs des établissements d'enseignement primaire, secondaire et technique la transforment en une source de revenus. Des activités commerciales sont organisées au sein des écoles, comme la vente des objets classiques, des documents pédagogiques et autres effets scolaires. Situation dénoncée par les observateurs avisés. Donc des gens employés pour dispenser, pour faire un travail pédagogique, se transforment en vendeurs. Or, la vente fait partie des opérations du commerce. Et en République démocratique du Congo, la pratique du commerce est légalisée. Vous avez ce qu'on appelle des évasions fiscales. Parce que quand une école vend, l'inspecteur de l'économie n'accède pas dans une école parce qu'il sait qu'une école, ce n'est pas une entité commerciale, ce n'est pas un établissement commercial. Et vous avez donc des réseaux mafieux qui opèrent, qui profitent à échapper à la parafiscalité en fournissant autant de matériel à ces responsables d'école véreux. L'autre paire de manches est la mainmise de la trésorerie par les promoteurs de certaines écoles. Pour eux, les finances priment sur la pédagogie avec comme conséquence le rabais de la qualité de l'enseignement dans ces établissements. Vous avez des gens qui créent des écoles privées pour business. Vous avez des écoles privées où vous pouvez voir ce que les finances créent une école. Et celui-là, il le fait, c'est bien. Mais généralement, dans les écoles privées où on fait le business, on ramasse n'importe quel diplôme. Parce que celui qui a terminé l'université, il n'est pas agrégé, il vient donner cours. Celui qui a terminé dans un institut supérieur qui n'est pas pédagogique, il vient donner cours et à ce moment-là, les principes pédagogiques ne sont pas respectés. Les inspecteurs de l'enseignement ont pour mission de veiller sur l'effectivité des activités totalement pédagogiques en milieu scolaire. Entre autres, aussi les contrôles financiers appelés C4. Aucune raison d'user de pratiques illicites sous prétexte de suppléer aux besoins des enseignants. Pour ouvrir une école privée agréée, au-delà des infrastructures, mais il y a aussi les conditions financières. C'est-à-dire, si l'enveloppe annuelle de faire fonctionner une école requiert 300 000 dollars, s'il faut se référer à la loi, vous, promoteurs, vous devrez être au moins capable de présenter la moitié. Bon, on comprend les situations ou les contextes dans lesquels l'État exige, d'abord l'État interdit. Vous avez la circulaire de Madame le secrétaire général, qui rappelle l'interdiction formelle de toutes ces pratiques de vente et consorts. Et vous avez aussi la lettre de M. l'inspecteur général chef de corps qui a rappelé aux inspecteurs principaux provinciaux de suivre de près les écoles où ces pratiques se font parce que ce sont des antivaleurs. Le savoir ne peut être monnayé. Les dispositions internationales en matière d'éducation exigent aux États de réserver 22% de leur budget à l'enseignement. Malheureusement, en RDC, le budget alloué à l'enseignement est de 5%, enveloppe faible pour soutenir l'action éducative. Vous le savez sûrement, l'école maternelle ouvre la porte de l'enseignement aux enfants, de l'enseignement formel aux enfants. Ce premier pas exige beaucoup, notamment en termes d'infrastructures viables. Suivons plutôt ce plaidoyer sur la mise en place d'une inspection de cet enseignement dans cette chronique signée Marie-Louise Mbella. Les aptitudes cognitives, affectives, aussi bien psychosociales, constituent des éléments déclencheurs de la formation intellectuelle des enfants dès l'âge de 2 ans jusqu'à 6 ans.
À ce niveau, l'enseignement maternel s'avère capital, voire fondamental. Il a été prouvé par des scientifiques que le béaba de l'éducation est la maternelle. C'est là où l'enfant apprend le respect de l'ordre, la discipline, la ponctualité, le travail en équipe, la collégialité, le respect de l'aîné, bref, il apprend le sens du bien commun. Des enseignants à cette étape sont engagés à assurer les fondamentaux de l'apprentissage en se limitant sur ce qui est rudimentaire. Cette formation procure à l'enfant une ouverture d'esprit. Des outils de travail ont été dotés à l'enseignement maternel, des outils éprouvés par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel à travers la direction des programmes qui permettra à l'enfant de cerner les notions pour développer des compétences de base si les 10 programmes sont bien appliqués à l'école. Alors dans ces cas, l'actualisation et l'adaptation des études préscolaires s'imposent. Le programme tel que le programme analytique pour l'école maternelle, programme d'activité, celui des planifications trimestrielles ou annuelles. Ajoutez à cela des objets didactiques à exploiter dans l'enseignement, question d'enrichir les contenus pédagogiques. Après 4 ans passés à l'école maternelle, l'enfant requiert des connaissances pouvant faciliter sa formation à l'école et lui permet d'affronter l'école primaire avec abnégation et courage. Il a été relevé que le secteur de l'enseignement maternel fait preuve des parents pauvres et relégués depuis de lustres en République démocratique du Congo. Cette première étape de la vie de l'homme souffre de manque d'attention particulière et soutenue de la part des décideurs. Ces derniers accordent plus de l'importance à l'enseignement primaire avec la formation des enseignants. Ajoutez à cela la gratuité de l'enseignement avec comme conséquence augmentation sensible des élèves dans toutes les écoles publiques et conventionnées de la RDC. La plupart des établissements maternels ne tiennent pas compte des exigences architecturales. Visiblement, ce sont des maisons d'habitation compartimentées en salles des classes où les espaces récréatifs ne permettent pas aux enfants à s'épanouir. Il s'est de signaler que lorsque les enfants sont bien installés, ils se sentent bien et assimilent bien les notions. Si la viabilité et la durabilité des infrastructures préscolaires est mise en cause, et que dira-t-on de la qualité de l'enseignement? Encore, il faudrait asseoir une directive, ce qui suscite des questionnements. Quelle est la place de l'école maternelle dans le système éducatif national? Pourquoi ce secteur reste-t-il abandonné entre les mains des privés? L'État congolais doit penser à la réorganisation du secteur éducatif préscolaire, s'en approprier, s'engager à ouvrir les établissements publics pour accueillir les enfants et y appliquer la mesure de gratuité instaurée par le chef de l'État pour permettre aux enfants âgés de 2 à 6 ans de fréquenter l'école qui forme les élites. Mettre en place des instances éducatives à la recherche d'une plus grande efficacité de l'enseignement. Elle consistera à organiser de manière permanente les séances de renforcement des capacités des enseignants de la maternelle, formation sur les nouvelles technologies de la lecture et de l'écriture. Les enseignants de la maternelle doivent être à même d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les doter de matériel didactique pour contourner les difficultés comme il en a été question à l'époque du Covid-19. Au regard de la singularité de cette étape scolaire, la toute première dans le développement du cerveau de l'enfant qui apprivoise la science, il serait souhaitable et qui pourra, pour des raisons évidentes, porter les noms de l'inspection générale de la maternelle. Celle-ci aura comme mission le contrôle non seulement de la qualité de l'enseignement pour sa bonne marche, mais aussi des infrastructures préscolaires. Suite à la suite de l'actualité, quelles sont les activités à mener dans le volet justice communautaire d'un projet à mettre en œuvre à Tchikapa? Explication dans ce reportage. En train de présenter le projet qui nous a été confié par le consortium RCN-JED, Trial International ainsi que ASF. Le projet dans le volet justice communautaire. Donc nous étions en train de présenter la faisabilité, les activités qui seront menées et pourquoi aussi nous devons mettre en œuvre ce projet qui se base surtout sur les marques ou les modes alternatifs de résolution des conflits. Il y a les activités des radios, les émissions et les spots publicitaires. Il y a également la formation des parajuristes. Il y a une mission exploratoire. Nous nous sommes plus basés sur la cartographie qui a été faite par la MONUSCO, la cartographie des conflits
nous avons répertorié un conflit dans le territoire ou au chef-lieu du territoire de Tchikapa à Kamonya, un conflit à Mweka, un conflit aussi à Kamwesha. Mais pourquoi Kamwesha? Ce n'est pas notre choix, mais ça a été un choix d'ensemble en étudiant certains critères de faisabilité. Kamwesha répondait au bon nombre de critères. Déjà à la quatrième semaine du mois d'octobre, nous allons pouvoir commencer les activités. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au nom de la grande équipe du journal de dimanche, je vous dis merci de votre attention. Restez avec nous car l'actualité continue sur la RTNC. Quant à moi, j'aurai bien le plaisir de vous retrouver le dimanche prochain, même heure, même chaîne.